L'année dernière, j'étais là aussi pour la finale, puis j'avais beaucoup apprécié ce qu'avait dit Robbie par rapport aux intermittents du spectacle et à la situation des artistes pour devenir intermittent. Je pense que c'est le parcours du combattant et tout. Donc, j'ai rien d'autre à dire, à ajouter par rapport à ce discours-là, si ce n'est que je le soutiens et que je souhaite beaucoup de courage à tous les artistes qui font cette démarche-là d'être ce qu'ils sont. Merci. Le parlant est tremblant, la gorge nouée, cette odeur de renfermé. Je suis pâle pour mon oral, pas tranquille, la tête en vrac. Je m'accroche à mon sac, les experts en retenue vont me tirer dessus. Leurs yeux ronds en disent long, et lorsque l'on déclame mon nom, ils jettent un œil à mes absences. Solfier, jouer, m'amuser, m'éclater, pas me lâcher, je vais. Au conservatoire. Leur stylo tout pointu annote des indices déchus, des regards esquivés. Je suis déjà condamné, tout droit à l'échafaud. Je me lance sur un tempo, trébuche en démesure, lève la tête en pleine lecture. Je vais solfier, jouer, m'amuser, m'éclater, pas me lâcher, je vais. Au conservatoire. Visage décomposé, je suis déjà achevée. J'ai ma mâchoire qui claque quand je vois leurs doigts qui croquent. Je serai jamais comme maestro pendu sur le mur en tableau. Ça m'arrange un peu, j'aime pas ces perruques blanches, ces cols montés ridicules. Je finirai certainement très mal à pousser la chansonnette dans les rades ou dans les balles. Mais comme je suis une fausse rebelle et qu'il me faudra bien un jour un vrai boulot, un peu de baume sur mes rancœurs, je les garde juste pour ce tableau. Un soir.